Hallo, mein Vater, Mutter, Vater von Stonus. Ja, Mama, in der Landes, hallo. On Greek, he's my father. He say, come back. Because you don't want to lose your days there, so come back. And you don't want to go? I don't know, I don't think about that. Just I say, okay, daddy. I see a lot of people, this is so amazing for me. I said, this is the one village of Afghanistan. In that time, I'm so difficult. خوبه دیگه فرانسه هم خوبه. خب من مامایم از لندن. ما اصلا هم پیش مامایم میرم. یک کارایم در ایچه پیش رفتار است. They give me maybe 17 euro a month and I don't spend this money with my brother. And after my uncle, it was in Germany and he said me it's better if you go in French. I said I will try one time in Germany. He said, no, it's like Sweden, same. And after he said, go in French, I'm coming here, I'm here. Quand je suis arrivé, la direction m'avait confié une éducatrice qui doit me suivre sur tout mon parcours. Et puis l'éducatrice, il m'a rassuré avec l'aide du directeur, qui m'a rassuré qu'il ne faut pas avoir peur, tu es dans un endroit sécurisé. T'es en sécurité, t'es protégé par la France, donc il peut rien peut t'arriver. Quand j'ai décidé de rester ici, je suis passé, comme je disais, ils m'ont mis dans un foyer avec les autres jeunes mineurs. Et j'ai commencé à aller à l'école. Pendant 3 ans, je suis parti à l'école. Après, quand j'ai eu ma majorité, je suis parti dans un appartement semi-autonomie. J'ai eu mes papiers et tout, et aujourd'hui, je travaille. La Mex m'a donné l'envie d'aller à l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai raconté aussi d'autres jeunes qui m'ont aidé aussi à m'en passer un petit peu de mes souffrances. Mais c'était un peu dur parce que c'était plus fermé. Mais c'est mieux où il y avait des éducateurs qui aidaient dans le quotidien, dans les trucs administratifs, le papier, tout ça. Il y avait des personnes qui nous aidaient. I go to the camp. I come new. She sit for me. She is the boss. She sit for me. Today is holiday. You come tomorrow. Tomorrow I come, she said, you come tomorrow, holiday. 3 days I'm in outside. After that, I'm going to the social. Social, she said for me, how old are you? I said, I'm 17 years old. She said for me, do you have the documents? I said, yes, of course, I have the documents. He said, you wait here and car come and give you. After that, I come to Saint-Emir. Mm-hmm. 2 weeks, I'm here, but don't receive it answer of the judge. Today I take my positive, you know, interview from judge. Everyone have a dream. Everyone have a, you know, he's want to good life as everyone, every person. So I hope I get what I want. I have my message, every refugee come, just they want a right of humans, because they are humans. Just rights, and they have the like, I'm humans, you humans, like daily life. But there didn't come off so something, but just come for a peace. And we want a peace here, we want a right. Some people in Albania, they don't have problem. For that, they, in Sweden, say, you go in your country, you are safe. We are safe country, but country is safe, not us, not people, you know? The people in Albania, it's not like in Syria or Afghanistan, but we have problems. Because if the refugee come here, not coming for the like safely country, like not safe, like Afghanistan, like Syria, like Misr, like some country, if they're going to here, for not coming for fighting, just come to and there come a peace, not for war. Mon pays aujourd'hui, je peux dire c'est la France, parce que la France m'a tout tant donné, même si je suis encore lié à mon à la RDC, parce que c'est là où ma mère repose. Mais mon pays aujourd'hui, c'est la France. La France m'a donné des diplômes, la France m'a donné un travail, m'a donné une petite copine que je vis avec. J'ai un appartement que j'ai loué moi-même, que je paye avec mon propre argent, moins d'APL. J'ai fait avec. Je ne pars pas me plaindre ou crier derrière, non. Là, ils ont déjà fait assez pour moi, donc c'est à moi maintenant de faire aussi pour que je vive.